Salut tout le monde, c'est Darkmo et on se retrouve pour la suite de mon let's play sur War Thunder. Donc aujourd'hui on va jouer en tank. Je pense que cette vidéo sera postée après celle que j'ai faite avec les avions allemands. Donc j'ai quand même bien évolué depuis la dernière vidéo. Chez les Allemands, la dernière vidéo que j'ai faite sur War Thunder avec les tanks, j'avais que des tanks américains. Donc j'avais que le M3 Stuart, le M2A... Le M2A4 et le M2A2. Et là j'essaye de débloquer le M2 tout court. Donc voilà. Sinon bah, j'ai débloqué le P40 chez les Américains. Donc chouette avion. Il est beaucoup. Enfin il est maniable quand même. Ce que je trouve assez. Enfin, excusez-moi, c'est le matin, donc je suis toujours très très voilà. Donc j'ai pas mal débloqué des trucs. Hein. Voilà. Ah, je l'ai débloqué. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, voilà, je me souviens plus du tout des avions que j'ai. Donc, chez G-Jap, j'ai débloqué un avion. Donc, celui-ci. Voilà. Je trouve qu'il est bien pour un deuxième avion, mais c'est pas top top. Mais je joue pas très souvent chez Jap. Donc, je suis déjà en train de débloquer celui-là. Chez les Anglais, ben là, j'ai toujours du mal à débloquer celui-là parce que je joue pas du tout. Car je me fais toujours dégommer et à la fin ça devient tellement chiant que j'en ai marre, voilà. Et chez les Russes, j'aime pas vraiment jouer avec eux car voilà, c'est pas vraiment une nation que j'aime bien car enfin je l'aime bien hein, mais j'adore tout ce qui est véhicule, mais je l'aime pas trop parce qu'elle est beaucoup trop cheat pour moi. Ce que je veux dire par cheater, c'est enfin j'arrive carrément sur la map et en fait tu dégommes la moitié des gens quoi. La dernière fois avec juste le BT5, j'ai dégommé 5 tanks sans mourir et eux m'ont tiré plein de fois dessus. Et pourtant c'était des bons tanks hein. Chez les avions bah, j'essaye d'avoir au moins celui-là, voilà. Et sinon bah, on verra après. Mais sinon moi je joue énormément chez les Allemands car j'ai débloqué enfin plein de chars donc dont une DCA et etc. Le point. Excuse-moi, j'ai le hockey. Oh là là, enfin, excuse-moi. Oh, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours un truc qui va mal. Voilà. Je bégaye, je fais des trucs bizarres. Ou des machins comme ça. Donc, j'essaye de débloquer le Panzer 4 F1. J'ai le Panzer 4E. J'ai le Panzer 4C. J'ai le Panzer 3, je sais pas quoi, F. Et je le. Bah, j'ai celui-là aussi. Celui-là qui est totalement merdique, je ne vous conseille pas du tout. Le Stug, il est bien, mais vers... Enfin, le Stug F, quoi. Parce que le Stug 3F, il faut vraiment le débloquer. Celui-là, il devient à chaque fois de plus en plus fort. Et celui-là, tu arrives vraiment dans une map, et ben, tu te fais dégommer direct en montrant ton canon. Donc là, ça fait déjà une minute. Ou je sais pas combien de temps qu'on tourne, donc on va aller à la bataille. Et je vais pas vous passer ça parce que sinon voilà. Donc je suis assez content, j'ai quand même un peu débloqué des tanks. Puis là si je fais une bonne partie bah, je débloquerai peut-être un peu près ça ou ça ou ça ou ça ou ça ou ça, ça dépend. Parce que pour l'instant bah, je joue vraiment beaucoup à ce jeu là, enfin War Thunder. Voilà. C'est pas ma map préférée, mais bref, c'est pas grave du tout. Donc alors, voilà. Si vous avez des skins aussi pour les tanks et pour les avions, je serais content que vous me les donniez. Hein, déjà, enfin pour les premiers avions que j'ai, parce que ce serait mieux d'avoir un avion personnalisé qu'avoir un avion, je sais pas, avec le camouflage d'origine ou la couleur ou le skin d'origine. Parce que parfois, je trouve qu'ils sont assez moches. Par exemple, les avions italiens, je l'aime pas du tout. Donc là je pense que... Oh là, j'ai des rollbacks. Ouais, énorme d'ailleurs. Ouais, je vais direct y aller avec le Panzer 4.
Bémol Panzer 4. Alors. Voilà. Je vais peut-être un petit peu retirer. De comme ça. Ouais, non, je laisse ça, voilà. C'est bon, hop. Alors, j'espère que cette fois-ci, il va pas bugger parce que sinon, je pète un câble. Alors, est-ce que tu bugs? Non, c'est bien ça. Ouh. Pour une fois. Et encore, il va bugger tantôt, à coup sûr. J'espère que non. Ah, ben voilà. Déjà, les petits arbustes qui viennent juste d'apparaître. Donc, alors là, moi, je fonce vers C. Enfin, les côtés de C. C doit être là, quelque part. Ouais, d'ailleurs, il y a déjà des tanks. Donc, je vais essayer de me les faire d'ici. Je sais que je monte le mauvais côté de mon tank, mais c'est pas grave. Oh! Je haïs ces tanks. J'ai essayé d'aller me poster sur la petite colline qui est là. Ah, mais c'est pas un mur en fait, c'est une tranchée, d'accord. Voilà pourquoi. Je vais aller me poster sur la petite colline et je vais, on va dire, à peu près camper. Donc, on a 3.4. Ah, mais merde, il y a assez sur la petite colline. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, j'y vais quand même. J'ai un petit peu campé, etc. Comme ça, je me fais un maximum de points. Enfin, j'espère. Si je fais une bonne partie, car d'habitude, ben, j'en fais pas. Enfin, en tant que si, ça va encore. En tant que j'en fais des assez belles. Mais en tout ce qui est avion, souvent quand je fais. Ah bah voilà, il commence à bugger. Mais dans tout ce qui est avion, je fais pas des très belles parties, voilà. Donc, surtout quand je fais des vidéos. Je trouve que ce tank là il commence. Enfin, à chaque fois que j'ai débloqué un nouveau tank, je faisais plus de kills. Par exemple, une fois j'ai fait quand même 14 kills avec celui-là, juste en restant sur cette colline là. J'étais en train de camper. Ah bah voilà, quand je vous disais que c'était mauvais endroit. Regardez, j'ai eu reçu aucun dégât. Peut-être que la tourelle, je sais pas. Ah ouais, si c'est la tourelle. Oh merde, excusez-moi, j'ai reçu plein de dégâts. Dont la tourelle, ce que j'aime. Aïe le plus car elle tourne pas très vite et ça devient chiant à la fin. Merci. Ah, ça c'est super chiant. Ah, il est en train de réparer. Bon, en attendant, je vais prendre celle-là. Voilà, il tourne mieux. Alors. Oh non. Ça veut dire que j'aurai des ennemis là, donc ils vont venir, donc j'ai plus à aller par là. Comme ça, je vais les détruire par là. Et je vais pas me faire massacrer, enfin j'espère. Car si je me fais massacrer, je pète un câble. Car c'est, on va dire pour l'instant, le tank quoi, avec lequel je sais mieux jouer. Donc j'ai pas trop envie qu'il m'arrive des trucs. Je vais me poster là, comme ça je les aurai à peu près de haut. Ah oui, et aussi. Pour la prochaine vidéo, je ne sais pas si par exemple vous préférez que je refasse du War Thunder ou du Heroes en général. Donc c'est comme vous voulez, hein, car moi voilà, j'aime bien les deux. Donc ça ne me dérangerait pas de faire. Ah bah je vois le tank qui est là. Hop, alors toi, tu vas bien crever dans la tourelle en plus. Sauf qu'on me tire. Non, je me trompe de touche à chaque. Ah! C'est un petit. Oh, non, pas dans la tourelle, pas dans la tourelle. Casse-toi le tank. Ah, c'est trop tard, il m'a eu dans la tourelle. Ah, ça c'est dans. Je suis dans le caca. Je suis dans le caca, les gens. Je suis dans un gros caca d'ailleurs. Car. J'ai pas pris les bons obus. Avance plus vite, s'il te plaît. Merci, va par là. On va plus vers l'arrière. On va les dégommer cette fois-ci. Ah, je m'attendais pas à en voir un en fait. Enfin, je m'attendais à en voir un, mais je m'attendais pas à ce qu'ils me voient. Car souvent je suis quand même assez discret, sauf avant avec les Américains où j'étais. C'est quoi ce truc là? Je sais pas du tout c'est quoi. Si vous savez, vous pouvez me le dire. Que je serais content de savoir c'est quoi. Alors, toi je vais vous dégommer. Sauf que là, moi je vais me faire dégommer par les tanks. Non, s'il te plaît, me dégomme pas là. Sois gentil avec moi, j'ai été gentil avec toi. Bon, trop tard. Et bref, on a perdu mon tank préféré. Oh, quoique c'est celui-là que j'essaie. Ah non, c'est pas celui-là.
Ouais, je vais aller avec le Panzer 3. Puis après, j'irai faire une petite partie avec la DCA. Je pense que j'irai plus jamais là. Donc, c'est pas grave. Là, il y a quoi là? C'est un avion, ça. C'est un avion, ouais. Ah! Je tire pas dessus, non, 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 non. Comme j'évite les coups, quoi. Par contre, ce que j'aime pas, justement, chez le Panzer 3, c'est la tourelle. Elle tourne lentement, en fait. Et je haïs ça. Enfin, si je dis des conneries, si c'est pas le Panzer 3, vous me le dites, hein, parce que là, je suis un petit peu dans la merde. Et je dirais à peu près de la merde, voilà, hein. Donc ça, c'est dit, on est déjà à 8 minutes. Enfin, un petit peu plus pour vous, je pense. Mais pour moi, c'est 8 minutes, pas plus. Enfin, on va essayer de massacrer celui-là. S'il est pas... Je vous aime pas, les amis. Alors, celui-là, on va voir, alors. Ah bah, il gagne. Bon ben voilà, cette partie aura été très très courte. Et je vais devoir en faire une. Hein. Donc alors. Ouais, j'ai débloqué un tout petit peu. Hein. Vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas grave, j'ai hâte en tout cas d'avoir 6-5. Hein. Ça doit être trop bien. Sauf que j'y serai pas encore. Alors on est à 9 minutes. Donc oui, surtout, bah, il faut que tu t'abonnes, hein, comme ça, bah, j'aurai 26 ou 27 abonnés. Waouh, ce serait trop cool, hein. Parce que là, il y a déjà 4 personnes que je connais pas du tout qui sont abonnées. Et pour moi, en fait, ça m'a fait. J'ai fait waouh, 4 personnes qui je connais pas qui sont abonnées. Wink qui m'en a fait un super commentaire, enfin, qui m'a fait un super commentaire sur ma précédente vidéo. Donc, je te remercie pour tes conseils. Et. Je vais essayer de les appliquer, c'est juste que pour l'instant en historique, ben, je connais pas encore assez mes tanks et mes avions aussi. Donc voilà, j'ai essayé mais je me faisais décapiter ou je faisais une partie mais je tirais pas du tout. Enfin si je tirais mais je mourrais justement juste après. Hein. Donc voilà. Mon but ultime chez les Allemands avec les tanks, c'est pas vraiment d'avoir... c'est au moins d'avoir... le rang 2 quoi, tout ce rang là parce que ce serait peut-être bien d'avoir des meilleurs tanks. Donc par exemple là on a un autre Panzer 3, le Panzer 3J que j'adorerais débloquer, mais il faut d'abord que je prenne l'autre Panzer 3J. Mais voilà quoi. Ah merde, je me trompe. Ah ouais non, ouais non, ouais, non, c'est bon, je me suis pas trompé. Il paraît que si à la 1.50 il y aura des nouveaux tanks, donc je sais pas du tout. Et je sais pas du tout dans quelle version. 1.49. Ouais, dans la 1.50, normalement, il y aura un nouveau avion chez les Américains. Ce sera à peu près situé là. Enfin, en tout cas, ce sera un bombardier, je pense. Je sais pas, d'après ce que j'ai lu sur le site War Thunder. Enfin, pas vraiment le site, mais mon application War Thunder. Eh ben, ils disaient qu'ils allaient ajouter des nouveaux avions. Voilà, si vous voulez, bah, vous pouvez me dire avec quelle nation vous voulez que je joue la prochaine fois. Donc j'essayerai de pas avoir les mêmes avions, donc en débloquer un maximum. Et ce qui va être peut-être très dur pour moi. J'ai l'impression de l'avoir déjà celui-là. Ah, parce que c'est les FD. Ah. Ok, donc pour avoir celui-là, je dois... C'est le même en fait. Ah non, c'est pas le même. Ouais non c'est pas le même, mais on dirait que c'est le même. Mais bref, voilà. Voilà. Donc je sais plus du tout quoi dire, car... Bah voilà, hein. Je vais vous dire voilà, voilà, et voilà. Excusez-moi pour ça. Donc je suis désolé, je vais devoir vous quitter ici. Je sais que cette petite vidéo est vraiment très très courte. Mais bref, je me suis fait dégommer. Excusez-moi pour les bégayements. Vous pouvez me dire la prochaine vidéo si vous voulez que je la fasse sur Heroes, War Thunder ou encore un autre jeu. Ou encore un autre jeu que vous connaissez, gratuit ou payant, mais ça dépend parce qu'il faut que je l'achète d'abord. Que vous aimez bien et qui est chouette. Mais plus fait Seconde Guerre mondiale ou en tout cas de combat. Parce que je pense que ma chaîne, elle est plus basée sur ça.
Déjà, je suis, on va dire, un fan de la Seconde Guerre mondiale, même si je suis pas fan de la guerre. Hein. Je suis juste fan des équipements, donc voilà. J'ai déjà des casques et tout le reste. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Donc, ce que je veux dire par là, c'est abonne-toi, s'il te plaît. Like la vidéo et partage-la. Donc, voilà, on se quitte sur cette magnifique image du BT5. À la prochaine et passe de bonnes vacances hein, parce que là pour moi c'est les bonnes, c'est grandes vacances. Donc salut, ciao ciao.